Mesdames et messieurs, les habitants de Flers, chères flériennes et chers flériens, mesdames et messieurs les habitants de nos 42 communes de Flers agglomération. Je veux ce soir vous présenter dans un format un peu particulier, et vous l'imaginez, je suis devant une salle entièrement vide. Et pour vous faire une confidence, l'exercice n'est pas simple. Je veux vous présenter tous mes vœux pour 2022. Que 2022 soit une année plus simple à gérer que celle que nous venons de traverser. Les conditions sanitaires dans le département se dégradent comme ailleurs, ce qui m'a conduit, vous le comprenez bien, à annuler des vœux en présentiel. Néanmoins, je voudrais le plus rapidement possible vous présenter les réalisations, vous allez les voir, mais aussi les projets de notre agglomération et de la ville de Flers. Notre territoire traverse, comme tous les territoires, des difficultés, mais au fond, il se porte bien. L'activité industrielle et commerciale y reste forte, et les derniers chiffres de l'INSEE prouve qu'à l'exception de quelques communes, nous tenons bien, nous regagnons des habitants, c'est le cas en particulier de la ville de Flers. C'est grâce à l'action que nous menons collectivement. Je ne crois pas qu'il y ait sur des territoires tel ou tel sauveur. Il y a une communauté d'idées, une communauté de destin. Dans vos fonctions économiques, associative, culturelle, sportive, vous faites vivre le territoire et c'est vous qui devez être remerciés. Mesdames et messieurs, une très belle année 2022 pour vous, pour vos proches et pour notre territoire.
Eh bien, chers amis, après avoir visionné ce beau film, je remercie les services de Flair et de Flair Aglo qui l'ont réalisé. Je dois dire que moi-même, j'avais oublié un certain nombre des réalisations que nous avons pu mettre en œuvre en 2021. Mais passons, si vous le voulez bien, au projet 2022. L'un des métiers de Flair Agglomération, et de la ville de Flair, mais de Flair Agglomération à titre principal, c'est d'aménager le territoire. Et l'un des métiers, c'est d'aider nos communes. Et j'ai décidé cette année que le bureau d'études de Flair Agglomération viendrait en aide de nos communes dès qu'elles demanderaient, et quelle que soit la nature des projets, que le projet puisse s'analyser comme un cœur de bourg ou pas. Il y a une très très grande activité de nos communes, très bien répartie géographiquement. C'est Athis, c'est Bellou, c'est Caligny, c'est Cerisy, c'est Chaloux, c'est La Celle-Lafort. Je vais en oublier. Bravo, mesdames et messieurs les maires, bravo, mesdames et messieurs les conseils municipaux, les membres des conseils municipaux, pour votre réactivité, pour les projets que vous avez pour notre territoire. Flair Agglo vous accompagnera de manière privilégiée et dès que vous le souhaiterez. C'est aussi un certain nombre de très très grands projets. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais prenons ce que l'on appelle la zone du plan Caillon, mais ce que les flairiens connaissent comme étant la zone des deux anciennes usines de Forestia à Flair, c'est-à-dire la Blanchardière et la Butte-aux-Loup. Ce sera, j'ai eu l'occasion de le dire, certainement l'un des plus gros chantiers flairiens de l'après-guerre, l'un des plus gros chantiers après la reconstruction. L'idée n'est pas simplement, mais c'est important, d'installer le magasin Leclerc en ville, à un endroit où il reste parmi nous. Mais l'idée, c'est d'aménager l'ensemble du quartier de la gare, de permettre de gérer la prévention des inondations, de permettre de gérer l'environnement, de faire en sorte que la voie ferrée ne soit plus cette cassure au milieu de la ville et puisse être enjambée par une passerelle qui sera elle-même utilisée par les vélos et les piétons. L'idée, c'est de recréer de la vie en centre-ville dans le cadre d'un partenariat public-privé. Vous allez vous dire, mais ils nous en parlent tous les ans. Oui, mais là, je vous en parle parce que, pour le coup, l'enquête publique est en cours, ou elle va être déclenchée d'ici quelques jours, ce qui signifie que les affaires sont vraiment lancées. L'un des autres métiers de Flair Agglo et de la ville de Flair, c'est d'améliorer le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est l'environnement. Et l'environnement, pour moi, c'est quelque chose de très concret. On peut beaucoup parler d'environnement, on peut verdir des politiques, mais on peut aussi agir. Je vous donne deux exemples. C'est l'assainissement entier du bourg de Cerisy-Belle-Étoile, avec la création d'une station d'épuration. C'est la reprise entière aussi, avec une extension de l'assainissement sur la commune de Saint-Paul. Et demain, ce sera les travaux que nous devrons faire sur la station de Montilly-sur-Noireau, sur la station du Ménil de Briouze. Et puis, l'environnement, c'est aussi facteur de développement. Il va nous falloir upgrader la très grosse station d'épuration du Landy à Caligny, pas pour le plaisir, mais parce que nous sommes en plein développement économique. Et ce développement économique-là, il ne doit pas se traduire sur l'environnement par des pollutions supplémentaires, mais par une prise en charge des effluents qui nous permettent de garder un milieu sain tout en conservant et en accroissant le nombre d'emplois sur le territoire. C'est aussi, pour Flair Agglo, un autre métier, et pour la ville de Flair, naturellement, qui y prend sa part. C'est le renouvellement urbain. Alors, on a beaucoup travaillé les années qui viennent de s'écouler sur le quartier Saint-Sauveur.
On travaille depuis 3-4 ans de manière extrêmement précise sur le quartier Saint-Michel. Cette année, les choses vont vraiment bouger. C'est-à-dire que nous allons déconstruire deux immeubles, deux grands immeubles, celui des Grenats et celui des Rubis. Ornhabitat va continuer sa politique de rénovation des pierres précieuses pour 64 logements. Et puis, nous allons requalifier le centre commercial qui a bien besoin de l'être. Je le dis aux habitants du quartier Saint-Michel, c'est long. C'est beaucoup de procédures, il faut trouver les financements, il faut que tout le monde se mette d'accord. Mais là, nous sommes vraiment en train d'avancer sur cette affaire, avec aussi la rénovation de 80 logements sur la résidence Foucault. Notre agglomération bouge, Flers bouge. Jamais je n'avais reçu autant de propositions, de demandes, de partenaires, investisseurs privés, en particulier dans le domaine très important de la promotion immobilière. Il manque sur notre territoire un segment. On dit comme ça de manière technocratique, mais la réalité, c'est qu'il manque de l'habitat pour des gens qui ne sont plus très jeunes, mais qui n'ont pas du tout vocation à entrer dans une maison de retraite. Nous avons été saisis par un organisme qui est connu et reconnu, et je fais très attention à cela, qui s'appelle Domitis, qui projette de construire, avec notre concours, avec le concours de l'architecte des bâtiments de France, 110 logements seniors sur le bas du champ de foire. Ce sera l'un des chantiers de l'année 2022. Je le cite, mais il y en a d'autres. Et si il y en a d'autres, c'est que l'attractivité de notre agglomération et de sa capitale, la ville de Flers, est en train d'augmenter. Je vous le dis très simplement et très tranquillement, je n'avais jamais vu une telle puissance. Alors, on me pose souvent la question de la reconstruction de la mairie de Flers. Mais monsieur le maire de Flers, ça fait 2 ans, ça vient quand ? Ça a été long, parce qu'il y a l'enquête judiciaire qui est encore en cours, et puis parce qu'il a fallu évidemment travailler avec nos assurances. Tout cela est derrière nous. Nous avons le projet de mettre les choses en route en 2022. Je voudrais y associer la population, parce que je pense qu'on peut penser la reconstruction de la mairie, mais il faut aussi penser l'utilisation du parc autour. Il faut aussi que la population, dont c'est le bien, puisse être associée. Ce sera cette année 2022, certainement une année d'études, peut-être de concours d'architectes, mais nous sommes sur la bonne voie et vous verrez d'ici 18 mois à 2 ans, je suis certain, une belle mairie reconstruite. Je parlais mairie, donc je parle patrimoine. Naturellement, vous avez pu constater les uns et les autres la belle réfection pierre par pierre, avec une reconstitution et la belle mise en lumière du marché couvert. Les travaux seront achevés en février. Et puis aussi, j'y viens parce que c'est à la fois privé et public, la superbe réhabilitation de la résidence Saint-Germain, qui est un bien de la reconstruction sur 3 étages, qui n'existe nulle part ailleurs et pour lequel, et je veux la remercier la région, pour lequel nous avons pu aller chercher, pour la copropriété privée, plus de 200 000 euros de fonds d'habitat de la reconstruction. Mais l'agglo, c'est aussi nos autres villes, bien entendu, et dans le cadre des contractualisations que nous avons avec l'État,
nous avons pu faire en sorte qu'Athis-Val-de-Rouvre, que Briouze, que La Ferté-Macé soient labellisés Petite Ville de Demain. Ce label Petite Ville de Demain, il les fait bénéficier de financements privilégiés, de financements fléchés. Ça sera le cas pour la salle du Rex à Briouze. J'espère que ce sera aussi le cas pour le réseau de chaleur que le maire de Briouze veut mettre en place. Ce sera le cas pour la rénovation du marché couvert de La Ferté-Macé, mais il peut y avoir aussi d'autres projets qui rentrent dans ce cadre. Ce sera le cas aussi pour l'aire intergénérationnelle autour du gymnase d'Athis. Et là encore, je sais que le maire d'Athis nous regarde, et là encore, il y a bien d'autres projets en cours et dont nous discutons. L'une des préoccupations de nos concitoyens, préoccupation majeure, c'est celle de la santé. Comment se fait-on soigner sur la deuxième ville de l'Orne, mais aussi sur la partie, j'allais dire, la plus développée, la plus peuplée de l'Orne, c'est-à-dire l'ouest de l'Orne. Nous gérons un ensemble de maisons de santé. Il ne m'appartient pas ici et à ce moment de développer ces questions qui sont extrêmement complexes. Simplement, pourrais-je dire que nous ferons tous nos efforts, mais tant que des décisions nationales permettant la répartition des médecins et des dentistes sur le territoire n'auront pas été prises, je pense que nous n'aurons pas entièrement satisfaction. Il n'en reste pas moins vrai que des travaux de plus de 2 millions d'euros sont en cours sur l'ancienne clinique Saint-Dominique de Flers, que nous y accueillerons 4 médecins, 2 cabinets d'infirmiers, 2 médecins spécialistes. Donc ne désespérons pas, mais sachons tout de même qu'une décision nationale sera nécessaire. Vous verrez peut-être dans les mois qui viennent des travaux commencés, zone des Essarts, à Saint-Georges-des-Groseilliers. Il s'agit de la construction d'une unité d'imagerie médicale, IRM, scanner, imagerie conventionnelle. En réalité, tout ce qui était clinique Saint-Dominique et qui a été inondé plusieurs fois et ce qui est rue de Messé va basculer et grandir, je l'espère. En tout cas, je le souhaite et je remercie les médecins qui sont à la tête de ces affaires, en particulier le docteur Hurtier, va basculer sur un bâtiment neuf sur la zone de Saint-Georges. Je m'en réjouis. L'ensemble des médecins et l'ensemble des services restent sur le bassin de Flers, c'est bien l'essentiel. Le cœur de métier, pour le coup, notre agglo, c'est le développement économique, la création d'emplois. On s'attache à la création du moindre emploi sur toutes nos communes. Mais il est vrai que notre fleuron, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la tête hors de l'eau, 1800 emplois industriels, c'est la zone de Normandie-Nov à Caligny. Tout le monde connaît cette zone. Nous venons d'y implanter Thermocoax. Nous allons y créer une école de production. C'est quoi une école de production ? C'est donner une seconde chance à des jeunes sur des métiers technique. Je ne vais pas approfondir, mais j'y reviendrai au cours de l'année. Je pense que c'est une initiative pour laquelle nous avons été déclarés lauréats au plan national. C'est une initiative extrêmement importante pour nos jeunes qui, quelquefois, sont en décrochage scolaire, ce qui ne signifie pas qu'ils ne soient pas capables de très belles choses dans leur vie. On va leur donner une seconde chance. C'est l'ouverture de ce qu'on appelle la mécatronique sur Forestia. Je ne veux pas jargonner, mais c'est le siège du futur, c'est le cockpit du futur. On y croit tellement, ils y croient tellement qu'ils sont en train d'agrandir leur unité de protection. Et puis, c'est le doublement de la capacité d'accueil d'entreprises sur Normandie-Nov. Nous sommes portés acquéreurs avec le syndicat mixte qui lie la région normande, le département de l'Orne, Flers Agglo. Nous nous sommes portés acquéreurs de plus de 40 hectares. Ça va nous permettre
à partir de ceux qui connaissent et tout le monde connaît, à partir des établissements Lemoine, de créer un barreau routier qui rejoindra la rocade nord-ouest de Flers, et nous aurons ainsi une zone, on pourra rentrer par le pont de Vert, sortir par la rocade, peut-être même rentrer par la rocade, et surtout des terrains pour commercialiser et faire face et répondre de manière positive aux demandes qui nous sont faites. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces demandes sont importantes et réelles. Je le dis aussi pour les autorités de l'État qui, à juste titre, sont soucieuses d'économiser des terres agricoles. Nous aussi, nous sommes soucieux d'économiser des terres agricoles, mais ça ne doit pas conduire à ne pas pouvoir répondre au projet ou à mettre le bocage sous cloche. Bien d'autres implantations d'entreprises, in extenso sur la zone des Essarts, Flers Énergie, les assurances MMA, l'extension de BFO, tout ça sur la zone des Essarts, sur la zone des Coudrettes à Flers, l'arrivée de Régis Location, bien connue des bricoleurs, sur la zone du Moulin à Messé aussi, une entreprise qui s'appelle Alcès, c'est de la couverture et du bardage, et puis bien d'autres, Amiso, BTP Verrier, et puis la reprise, ça c'est un élément important de ce que les flériens appellent le bâtiment Charlamand, qui en réalité est le bâtiment qui est nouveau au-dessus de Charlamand, ce qui va faire que toute cette zone-là va être à nouveau occupée, et par des entreprises qui produisent des emplois. Autant vous dire que le territoire... je ne dis pas que tout va bien et que tout est fait bien et qu'on ne pourrait pas faire mieux et qu'on ne peut pas rêver mieux. Mais le territoire se porte bien, à tel point que nous avons une vingtaine de demandes qui ne peuvent pas aujourd'hui être satisfaites, faute de foncier, ce qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la bonne compréhension que nous devons avoir avec les services de l'État pour pouvoir, à un moment donné, disposer d'un peu de foncier. Pour faire ça, nous avons décidé de planifier notre activité foncière sur une quinzaine d'années. Nous avons déterminé 7 zones d'activité prioritaires. On ne les a pas prises au hasard, on les a prises là où il y avait de la demande. Et nous avons décidé de moderniser des zones existantes. Et puis nous avons décidé aussi de résorber nos friches industrielles. Ça a été le cas sur l'ancien bricot de la Ferté-Massé où on installait la Ferté-Couture. Ce sera demain le cas sur Ex-Monsieur Bricolage où nous installerons un complexe cinématographique de 800 fauteuils. Le territoire, il bouge. Vous voyez bien sortir de terre le nouveau magasin Lidl qui sera inauguré dans quelques jours. Vous voyez bien sortir de terre le Burger King. Vous voyez bien aussi que nous nous préoccupons d'être à la pointe, en particulier en matière d'aide au commerce. Alors évidemment, on finance les managers de centre-ville, quand les associations demandent quelque chose, on essaye d'y répondre, mais ceci ne suffit pas, nous sommes en train de les aider à prendre le virage technologique de l'e-commerce, de la vente à distance. Et je faisais, pour tout vous dire, hier soir un point sur ce sujet, et les choses sont à tel point que nous atteignons deux fois les résultats que nous nous étions fixés. Alors l'économie, c'est beaucoup, mais un territoire, c'est tout. C'est l'économie, c'est l'emploi, ce sont les associations, c'est la capacité à faire du lien entre les uns et les autres, c'est la capacité à donner du sens, à donner de la direction à un territoire. C'est la raison pour laquelle verra le jour en 2022, ce que j'appelais moi une maison d'association, mais comme il y a plusieurs bâtiments, on va appeler ça un village associatif,
sur les anciens bâtiments de Le Hugeur-le-Lièvre, avec comme idée, c'est vrai, de rationaliser tous les espaces qui sont occupés ici ou là, et principalement sur la ville de Flers, puisque c'est une affaire ville de Flers, mais aussi de faire du lien entre toutes les associations. On a beaucoup travaillé avec les associations. Je crois que le courant passe bien, il y a quelques réglages à faire, mais ce sera une belle affaire. C'est une trentaine d'associations qui seront associées. Nous créerons aussi ces liens avec l'accueil de Thermocoax sur Normandie-Neuve. Nous créerons aussi un pôle d'économie sociale et solidaire à Saint-Georges-des-Groseilliers. Je ne veux pas le décrire par le menu, mais c'est quelque chose d'ambitieux parce qu'on a envie à la fois de lier l'économie sociale et solidaire, la culture, les résidences d'artistes, le cas échéant, les musiques actuelles, un studio d'enregistrement. Alors tout ça n'est pas calé encore, mais on a envie de faire de la vie sur le territoire et surtout de ne pas laisser évidemment cette ancienne usine Thermocoax à Saint-Georges-des-Groseilliers non utilisée. Tout ça, tout ce que je décris, pardon, peut-être un peu pêle-mêle, mais tout ce que je décris, ça doit être fait sous le contrôle des habitants. C'est pourquoi j'ai demandé à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est-à-dire au ministère, de nous aider pour créer de nouveaux conseils citoyens, en tout cas sur la ville de Flers. Aujourd'hui, plus de 35 personnes se sont portées volontaires et je porte beaucoup d'espoir sur la participation citoyenne. C'est compliqué, parce qu'il faut dire le champ des réels, il faut dire les contraintes, il faut dire combien on a d'argent. Il ne faut pas non plus laisser rêver les gens, mais il y a quand même plus de matière grise dans la tête d'une assemblée de citoyens que simplement dans celle du maire de Flers. Alors, promouvoir l'offre touristique, ah, grande question. Notre offre, elle résulte de l'histoire de la communauté. On avait d'abord Flers, ensuite on a eu Messé, et puis après on a eu Athis, Briouze, La Ferté. Moi je vous dis qu'on va essayer de lancer un nouveau label qui s'appelle les Montagnes de Normandie. Pourquoi les Montagnes de Normandie ? Parce que en réalité, c'est notre point d'accroche et ce sera notre point d'accroche au plan national dans les années à venir. Après les projets, c'est de tradition la présentation des trophées de l'agglomération. J'aurais aimé les accueillir moi-même, mais j'irai les voir un par un. Vous allez voir qu'en matière de formation, en matière de santé, en matière d'économie, en matière sportive, nous avons un territoire qui bouge et nous avons des talents formidables. Les trophées de l'agglomération de Flers. Le trophée de l'innovation est attribué à la société Helios Engie, spécialisée dans l'étude, la conception et la fabrication de systèmes électroniques. Créée en 2010 et implantée à Sainte-Opportune, Helios Engie est une entreprise à taille humaine. Sa flexibilité et son souci de l'innovation sont des atouts pour développer des projets électroniques et les besoins en sous-traitance électronique. Helios Engie intervient dans différents domaines d'activité, tels que le nautisme, le paramédical et l'industrie. Helios Engie propose à ses clients une palette diversifiée de services. Un bureau d'études spécialisé dans l'électronique, l'informatique embarquée et la mécatronique. Un atelier de production composé d'une équipe jeune et dynamique
qui fabrique environ 15 000 cartes électroniques par an. En 2020, la société a reçu deux agréments, le crédit impôt innovation et le crédit impôt recherche. Félicitations à l'entreprise Helios NG. Le trophée individuel est attribué à Tanguy Saint-Martin pour son titre de meilleur apprenti boucher de France. Né à Flers et résident à la Lande Patrie, Tanguy décide, après l'obtention en 2019 du brevet des collèges, mention très bien, de se lancer dans la boucherie. Il intègre ainsi le CFA à Alençon et obtient son CAP boucher en 2021. Il effectue son apprentissage à la boucherie Forger à Flers. Il décide avec son maître d'apprentissage, Julien Forger, de participer au concours des meilleurs apprentis de France. Organisé, appliqué et perfectionniste, il remporte la finale à Clermont-Ferrand en juin 2021. Félicitations à Monsieur Tanguy Saint-Martin. Le trophée collectif est attribué à l'association anosmi.org qui agit pour faire connaître la perte de l'odorat. Perdre l'odorat est un handicap sensoriel invisible aux conséquences multiples. L'association rayonne déjà sur la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, le Québec et le Maroc. Découvrons cette association à travers cette vidéo. Les parfumeurs le savent bien, perdre son odorat, ce n'est pas anodin. Ne plus sentir un plat qui mijote, ni le goût d'un bon vin, ni l'odeur de ses proches, les conséquences sur la qualité de vie sont considérables. Pourtant, ce trouble était sous-estimé. En fait, il faut le perdre pour se rendre compte à quel point on a eu la chance jusqu'à présent de pouvoir respirer toutes les odeurs du monde sans cesse. Dans le cas d'Emmanuel, c'est un traumatisme crânien suite à un accident qui a déclenché ce handicap. Il vit avec depuis 2 ans. Je l'ai remarqué par hasard avec mon fils. À un moment donné, on a senti quelque chose et je me suis dit « Ah, non, moi je sens rien ». Vous vous baladez et vous avez une odeur qui vous vient dans le nez, ça vous rappelle un souvenir, une personne, un moment. Bah, tout ça, vous l'avez pu. J'ai trouvé l'association anosmi.org. Un petit peu à la fois, j'ai créé des liens et donc maintenant, je suis ambassadrice
pour la polypose nasosinusienne, j'ai une adresse mail ou un téléphone et les personnes peuvent m'appeler. Je suis comme tout le monde, j'ai pas vraiment de je suis pas dans le médical, je peux pas me permettre de dire des choses qui sont, voilà, faut pas dire n'importe quoi, mais simplement aider et écouter. Et même en sens inverse. Moi, j'ai besoin aussi qu'on m'écoute et qu'on m'aide. Ça va dans les deux sens. Je me tourne vers Jean-Michel Maillard, vous êtes président de l'association anosmie.org. C'est vrai qu'effectivement, de temps en temps, l'entourage prend ça un petit peu à la légère, au départ en tout cas. Oui, l'entourage et même celui qui peut être touché prend ça à la légère au début. C'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux, hein, c'est lié à notre histoire, à notre culture olfactive et à l'idée que l'on a de ce sens. Un peu découragée, Sophie retrouve espoir lorsqu'elle découvre le site web de l'association anosmie.org. Avec une salade de légumes grillés. Fondée par Jean-Michel. De pouvoir lire les forums, les échanges, participer à des conférences, de voir les témoignages de ces gens-là, ça te permet de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, de redonner espoir aussi qu'il y a des pistes de solutions que tu peux faire. Elle apprend également que l'association propose un protocole pour retrouver l'odorat. Est-ce que tu... Inspirée par des travaux publiés en 2009, anosmie.org a adapté ce protocole en collaboration avec plusieurs spécialistes ORL et chercheurs en neurosciences français. Cette rééducation rigoureuse, quotidienne, très longue, c'est vrai, sur 12 semaines, il faut la faire parce qu'elle donne des résultats. Merci à vous, à bientôt et bonne soirée. On était 60 ce soir, des fois on est 70, des fois on est plus, voilà. Et les gens restent jusqu'au bout et ils posent des questions et on doit faire naître une culture de l'odorat en France. Nicolas va chercher la réponse ici, dans les locaux de l'Université Paris 8, auprès d'une neurobiologiste, Claire Martin. Bonjour Claire. Bonjour, tu es moi ? Avec Jean-Michel Maillard et d'autres chercheurs, elle a développé un protocole qui permet aux tiers des anosmiques de recouvrer l'odorat. Raj Gurden est directeur de recherche en neurosciences au CNRS. C'est un spécialiste de l'olfaction. Il travaille au sein du laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptative sur la représentation des odeurs par le cerveau et les interactions entre la prise alimentaire et l'olfaction. Afin de venir en aide aux personnes anosmiques, avec l'association anosmie.org, il a mis au point un protocole de rééducation olfactive. Il a été téléchargé des dizaines de milliers de fois avec l'épidémie de Covid-19. En fait, c'est un travail que l'on a conduit avec des chirurgiens ORL et des neurobiologistes depuis quelques mois. Et bien sûr, une association de patients, la plus grande association d'ailleurs française de patients anosmiques, hein, c'est anosmie.org. Cette association, en fait, nous a aidés à justement cerner le meilleur spectre d'odeurs, de parfums qui pouvaient justement se rapprocher en un minimum de parfums d'un maximum d'odeurs à redécouvrir ou à redétecter pour réhabituer le cerveau. Alors ça s'appelle tout simplement Covid Anosmie. Ça sera disponible quand ? Covidanosmie.fr. Ouais. C'est disponible aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est une web application. Donc elle ne se télécharge pas. Il faut simplement un navigateur internet. Hein, et puis, donc, que ce soit dans un smartphone ou un ordinateur, on rentre Covidanosmie.fr. Elle est gratuite. J'aimerais remercier le comité de lecture, composé d'une trentaine de personnes, qui a dépouillé et vérifié 143 dossiers candidats cette année. Il y a eu environ 45 retenus et 10 membres du jury final. Laura Letourneau, Jacques Lucas, Dominique Pont. Nous allons maintenant remettre le dernier prix, celui de l'application Covid. Et les nommés dans cette catégorie sont... Covid Anosmie, Solidaire Handicap, une nouvelle fois. Magentine. Félicitations à l'association anosmie.org. Le trophée coup de cœur est attribué à Anthony Dufroux, finisher de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Né à Flers il y a 32 ans et licencié au club de Flers-Condé Athlétisme, Anthony s'est lancé depuis 2013 dans les trails de longue distance. Depuis, il a participé à 24 courses dans toute la France.
ce qui représente environ 2000 km en compétition et 62 000 mètres de dénivelé. En 2021, il participe pour la première fois à l'UTMB, le sommet mondial du trail avec ses 171 km et ses 10 000 mètres de dénivelé. Il réalise la performance de le terminer après 38 heures, 2 minutes et 58 secondes d'effort. Félicitations à Monsieur Anthony Dufrou. Mesdames et messieurs, pour conclure, je veux à nouveau vous souhaiter une très très belle année 2022 pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Je veux vous dire de prendre soin de vous. L'épidémie, comme partout dans le pays, est très, très importante. Le taux d'incidence dans l'Orne est important. Prenez soin de vous. J'ai une pensée particulière, naturellement, pour l'ensemble des soignants du territoire. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que l'an prochain, nous puissions être tous ensemble dans cette belle salle du Forum dans laquelle je suis. Si on peut l'être d'ailleurs avant, j'en serais ravi. Mesdames et messieurs, belle année
et au revoir.